Coucou, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, direction Marseille, et je ne suis pas seule pour m'accompagner. Donc on va découvrir, on va dire les points les plus intéressants, enfin tout est intéressant, mais en tout cas les points, les endroits les plus touristiques. Pour les découvrir, je suis accompagnée de quelqu'un. Hello! Voilà, de... Donc je suis accompagnée d'Asma Fares. Et donc... C'est parti. C'est parti pour on a mis les baskets visite, ouais. Et on va commencer avec l'emblème de Marseille, Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde. Allez les filles, c'est parti, on vous amène avec nous. Allez, let's go. Qui est pas mal ici. Du haut d'être vu en fait. Hein, ouais. Donc c'est la corniche Kennedy. La corniche Kennedy, et on va faire la corniche Kennedy et aller au Vallon des Offres, qui est super connu. C'est un tout petit port super sympa que vous verrez tout à l'heure dans le vlog. Voilà. On est dans les ruelles du panier. Quartier du panier en fait. Donc le vieux Marseille, et c'est super. C'est charmant. Je vais pas dire que c'est super beau, c'est vraiment charmant. Oui. Des belles petites maisons,
tout est beau, franchement c'est trop beau. C'est le quartier emblématique de Marseille en fait. Et ben il y a Plus belle la vie qui a été filmée ici. Oui, c'est là que, qui a été tournée Plus belle la vie. Mais je mets pour les fans de Plus belle la vie. Je mets pas du tout. Et là on est en train d'essayer de trouver la vieille charité. La vieille charité. Ouais, parce qu'on pensait qu'on y était tout à l'heure, mais on n'y est pas. Alors on va voir où est-ce qu'on est, mais en tout cas c'est trop beau. Moi franchement j'aime trop me perdre dans ce jardin de petites ruelles comme ça. Et on a acheté du savon de Marseille aussi. Ah oui, la rose. Voilà. Voilà, je vous mettrai. Je pouvais pas venir à Marseille sans prendre du savon de Marseille. Oui, c'est sûr. Donc je vous mettrai de toute façon sur Instagram la photo avec le nom de la boutique. C'est vrai. Voilà, bon écoutez, on va vous laisser, on va essayer de trouver d'abord l'endroit, sinon ça va pas le faire. Rue du Panier, rue des Mouettes. Dites-moi quelques petites expressions marseillaises. Alors, eh ben, par exemple, quand quelqu'un nous embête, on dit qu'il nous emboucane. Et après, en général, quand on râle, on marronne. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Quand on cherche quelque chose qu'on ne sait pas comment ça s'appelle, un petit objet, on appelle ça un bicou. Oh. Le bicou, tu sais pas où il est le bicou? Après, il y a... Et après, quand vous voulez un peu envoyer bouler des gens, vous pouvez dire va caguer en doum. Va quoi? Va caguer en doum. En doum, c'est un quartier de Marseille. Et caguer, c'est littéralement aller aux toilettes. Ok, après cette petite introduction aux expressions marseillaises, il est temps de prendre une petite classe. Moi, je transpire, je suis chaud, voilà. Moi, ça va, je suis habituée là. Je suis immunisée au climat et c'est un truc de dingue. Hein. Pas moi. Je te jure. Et donc là, maintenant, on s'en va à la cathédrale. Oui, à Major. Voilà. Voilà. Donc allons-y, c'est parti. Elle est vraiment belle, mais c'est dommage, on peut pas rentrer à l'intérieur pour voir. C'est fermé, Mais l'architecture est superbe. Et de ce côté-là, on a le port maritime. Oui. On a de l'autre côté fort. Le Mucem déjà. Le Mucem qu'on va aller et voir. Et le fort Saint-Nicolas, il est là, tu vois. Voilà, le Saint, c'est sympa, franchement. C'est sympa, en plus, il fait bon. Bah voilà, écoutez, on va se rapprocher un petit peu pour voir la cathédrale. Et on va y aller à Mucem. Oui, au Mucem, on va aller. Au Mucem. Donc le Mucem, c'est quoi? C'est un musée? C'est un musée en fait qui regroupe plusieurs expositions toute l'année. Et il a une architecture un peu spéciale. C'est fait comme de la dentelle en fait. Wow. On verra tout à l'heure. Okay. Bon, on le voit, ça a été créé par, je sais pas quel architecte, j'ai pas mon goût de faire. On n'a plus de connexion. Donc coucou les filles, voilà, on a terminé la visite de Marseille. Enfin, il y a énormément de choses qu'on n'a pas vues, j'en suis certaine, oui. Mais on a quand même fait, on va dire, les essentiels. Et donc là, on se dirige vers la ville de l'Estac. Et l'Estac plage. Voilà, et normalement, il y a une super belle vue, tu me disais. Hein. Il faut monter au-dessus pour voir un peu d'où sortent les bateaux en fait. D'accord, et après ça, on va aller à Praima. Oui, on va tout qui n'a rien à voir. Voilà. Mais il se trouve où ce centre commercial? Viens ici en fait, Saint-Henri je crois. Saint-Henri. D'accord. Donc voilà, voilà, je crois qu'on aura terminé avec notre visite. Demain on reprendra peut-être quelques visites, peut-être seul, peut-être avec Asma, on verra comment on va s'organiser. Par rapport aux enfants, en fait. Voilà, oui, parce que j'ai envie de faire quelques excursions en bateau pour aller voir les calanques, mais le souci c'est que les bébés ne sont pas acceptés, ni les enfants de moins de 4 ans. Donc voilà. Bah, écoutez, on va aller voir les stades, à quoi ça ressemble. Et voilà.